vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. Elle fait meu. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. Elle fait meu. Elle fait meu. C'est parti! Brosse-toi les dents jusqu'à la fin de la chanson! Brosse tes dents de bas en haut. Brosse tes dents en faisant un O. Brosse tes dents de gauche à droite. Brosse tes dents le matin et le soir. Brosse, brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Brosse tes dents. Brosse tes dents pour les garder blanches. Brosse tes dents pour un sourire éclatant. Brosse tes dents, c'est super chouette. Brosse tes dents quand tu te lèves. Brosse, brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Brosse tes dents, c'est super chouette. Brosse tes dents, ouvre bien grand. Brosse tes dents derrière et devant. Brosse tes dents pas bien réveillées. Brosse tes dents quand tu vas te coucher. Brosse, brosse, brosse. Brosse, brosse, brosse. Brosse tes dents quand tu vas te coucher. Coucou les enfants, vous jouez avec de la pâte à modeler ? Super ! Vous pouvez faire un bonhomme de neige maintenant, c'est très facile. Pops a raison, on peut faire un vrai bonhomme de neige.
Allons, allons, les enfants. On allait faire un bonhomme de neige. Allez, on commence. Il nous faut une grande boule de neige pour le corps. Très bien, Phoebe. Et maintenant, une boule plus petite pour la tête. Pas si petite, Groovy. Là, c'est mieux. Maintenant, il nous faut des branches pour les bras. Groovy, tu nous trouves des cailloux pour les yeux et la bouche? Et Phoebe, tu peux aller chercher une carotte pour le nez? Très bien, les enfants. Il est presque fini. Mais il manque quelque chose. C'est ça, le chapeau haut de forme. Maintenant, il est fini. Génial! La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Waouh! Vous faites un pique-nique dans le jardin? Génial! Qu'est-ce que vous avez pour le goûter? Oh, des fruits! C'est une pêche? Miam, miam! Quelle chance, non? À
Attention aux noyaux, Groovy. Certains fruits ont des noyaux qui sont trop gros pour qu'on les mange. C'est leurs graines. Ah ah, je parie que vous ne savez pas ce qu'est une graine. Je vous l'explique. On obtient les fruits avec les graines. Comment ça marche? D'abord, on fait un petit trou dans la terre. Puis, on met la graine dans le trou. Ensuite, on la recouvre. Et enfin, on l'arrose. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. À partir de la graine, une petite plante pousse. Et cette petite plante deviendra un arbre comme celui-là. Le noyau de la pêche. Bonne idée, Phoebe. On peut la planter. C'est ça, Groovy. On n'a besoin que de la graine. Le noyau. Tout d'abord, il faut faire un petit trou. Ici. Non, Groovy, ce trou est trop grand. Ah ah, bien, on a notre trou. À présent, on met le noyau dedans. Ensuite, on le couvre de terre. Et maintenant? Mais oui, il faut l'arroser. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour l'arroser? En râteau? En panier? Ou en arrosoir? C'est ça, en arrosoir. Maintenant, on peut arroser la graine. Que se passe-t-il, les enfants? Vous attendez qu'elles poussent? Patience! Les plantes ont besoin de temps pour devenir grandes et fortes. Il faudra attendre. Attendez, regardez! Super! Vous voyez, elle est toute petite, mais vous verrez, elle deviendra très grande. Venez la voir chaque saison, comme ça, vous la verrez pousser. Été. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Regardez comme elle a grandi. Le sol aide les plantes à grandir. C'est leur nourriture. Automne. En automne, il y a beaucoup de nuages et il pleut souvent. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. Mais ne vous inquiétez pas. Les arbres se reposent. Quand le soleil reviendra, des feuilles vertes pousseront à nouveau. Hiver. En hiver, il fait très froid. Comme il n'y a pas de soleil, les feuilles ne poussent pas encore. Oui, c'est vrai. Cet arbre a peut-être froid sans ses feuilles. Vous l'avez réchauffé. Au printemps, il commence à faire chaud et il y a du soleil. Le jardin se remplit de fleurs. Et notre pêcher aussi, il est superbe. Regardez ce qui se passe. Les fleurs se transforment en pêche. Super, c'est l'heure de goûter. Elles sont bonnes, les enfants? Et ça a été très amusant de le regarder pousser. On pourrait planter autre chose, mais où tu vas, Groovy? Comment? Une licorne? Tu veux planter une licorne? Les unicornes ne poussent pas dans les arbres. On répète les saisons, les enfants? Été, automne, hiver, printemps. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Et c'est la saison idéale pour aller à la plage.
En automne, les températures baissent et il pleut beaucoup. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. C'est amusant de jouer avec elles. En hiver, il fait très froid et le soleil ne brille pas beaucoup. C'est pour ça que les plantes ne poussent pas. Mais il neige beaucoup et ça, c'est super. Au printemps, le soleil brille très fort à nouveau et tout est couvert de fleurs. C'est agréable de profiter du beau temps. Super. Comme c'est amusant. Vous faites une super équipe. Pouf, quelle chaleur il fait. On va se baigner? Oh non, il y a trop de vagues. Même avec les brassards, ça peut être dangereux. Je sais. Vous savez ce qui peut être amusant? Construire une piscine dans le sable. C'est très facile. Il suffit de creuser un trou et de le remplir d'eau. Groovy, transforme-toi en pelleteuse. C'est ça. D'abord, il faut creuser un trou très profond. Et maintenant, c'est ça, on le remplit d'eau. Si tu fais couler l'eau en dehors de la piscine, tu devras la remplir de nouveau. Amusez-vous bien. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Groovy, c'est une façon très originale de mettre un pareo, dis donc. Je suis ravi de voir que vous portez des vêtements légers. Il est important de ne pas trop se couvrir en été. Vous savez que c'est la saison la plus chaude de l'année et le soleil tape fort. La glacière est très près de l'eau. Dites les enfants, vous croyez que c'est prudent de la laisser là? Vous allez jouer aux raquettes? Quelle bonne idée! Groovy, tu sais jouer? Tu en es sûr? Groovy, tu dois utiliser la raquette. Oui, avec cette raquette. Allez, fais le service. Très bien, Groovy. Tu as compris. Phoebe, tu vas prendre un coup de soleil. Tu n'as pas mis de crème? Phoebe, il faut toujours mettre de la crème solaire. C'est indispensable pour ne pas prendre de coup de soleil. Et toi, Groovy, tu as moins de chance d'en prendre, mais tu dois en mettre aussi. Pops, aide-moi à leur expliquer ce qu'il faut faire d'autre pour se protéger du soleil. En été, le soleil tape fort. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, à la piscine ou au parc, suivez ces conseils pour ne pas prendre un coup de soleil. D'abord, mettez de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, mettez une casquette ou un chapeau.
Troisièmement, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Et enfin, quand il fait trop chaud, mettez-vous à l'ombre, sous le parasol par exemple. Vous avez compris ? Très bien. Mettez de la crème solaire sur tout votre corps. Voilà, parfait. Et maintenant, il faut couvrir la tête. Super. Qu'est-ce qu'il manque, les enfants ? Des lunettes de soleil. Parfait. Vous pouvez continuer à jouer. Groovy, qu'est-ce qui se passe ? Zut ! Cette vague a emporté la glacière avec le goûter dedans. Oh oh ! Le courant l'emporte de plus en plus loin. Je sais, Groovy. Cette glacière contient votre goûter préféré. Des fruits d'été bien frais, de l'ananas, de la pastèque, du melon. Il faut la récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer la glacière ? En appareil photo ? En pédalo ? Ou en ballon ? Mais oui, en pédalo ! Allez, Phoebe, tu peux y arriver. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Encore un petit effort. Continue comme ça. Attention, une vague! Ça y est, vous l'avez. Maintenant, on retourne sur la plage. Très bien. Vous avez réussi, les enfants. C'est l'heure de goûter. Sous le parasol, vous pouvez savourer votre goûter à l'abri du soleil. Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour reprendre des forces. Est-ce que c'est bon ?